ça. Ok, bon, là, je t'invite, tu me. Tu faisais pas ton ta superstar avant? Ouais, ok, boomer, création. Ok, on peut bien les créer. J'ai hâte de voir à quoi ton petit personnage va ressembler. Moi, je fais une nouvelle diva. Tu fais quoi une nouvelle. Là, c'est un Je fais une secret. petite putassier. Un sec. Je fais une belle putassier. J'espère qu'on peut prendre Kinect pour prendre ma photo de face puis la mettre sur le personnage. Comme dans Ah! Rumble, ce serait pas pire. Ça serait drôle en tabarnak. Je sais même pas pourquoi je crée. Si tu veux jouer tout de suite, ça me dérange pas. Ouais, étant donné qu'il est déjà. Il est déjà minuit! T'as juste à m'inviter quand t'es prêt. Sinon, on crée ton perso, ça me dérange pas non plus. Ah, mais je peux créer une flotte. On va faire une flotte de plus. On va faire une petite plus. La barre. Ah, ça, c'est un peu plus. Ok. Non, mais ça y est, écoute. Encore dans mon Donkey Kong Country 5, ben ça me fait. J'avoue que ça peut gâcher le jeu hein, si j'en écoute trop. Hein. À un moment donné, t'écoutes trop le soundtrack de tel jeu, puis là t'arrives, tu mets le jeu, puis là t'es comme, ouais, ok, c'est moins bon que je pense. Ben, pas que c'est moins bon que je pensais, mais c'est comme moi, j'ai écouté 20 fois le soundtrack au complet. J'aurais peut-être arrêté finalement. Oh man, shit! On peut s'en mettre à poil, ça, c'est. Moi, je peux le temps ça Probablement, dans les jeux, tu sais, je probablement. pense tout de suite à. Moi, quand je vois un perso que je peux créer comme femme, là, dans ma tête, c'est comme bon, on peut s'en mettre à poil. Ah, mais je Moi, elle a comme compterais. un gros œil dans le front. Un œil dans le front, what the Ouais, tu fuck. devrais voir ça. Ah, comme dans. T'as voulu faire une espèce de. Comment il s'appelle, dans Dragon Ball, le gars avec son troisième œil. C'est Piccolo. Picoro. Sangoku. Non, c'est pas Piccolo. Non, Ah, Tenshin, je pense, ou quoi. Tenshin, c'est ça. Ouais, Tenshin, Je je sais pas où pense. c'est mettre là. Mais C'est tu sais, ça. là, il Puis est avec vraiment big. ton troisième œil, puis là, tu dis, ah, je vois des choses. Oh, Tu sais, ça m'arrive d'avoir un troisième œil, là, puis je frôle la schizophrénie. c'est quand même assez fou le mode création. Je pensais que c'est quand même assez fou, je peux y mettre un troisième œil. Mais je pense que je vais pas faire une diva. Au début, je voulais faire une diva, mais je vais faire un. Non, moi non plus, même si c'est ça que je t'en fais. Parce que je pense que les divas, tu peux Aïe. pas les utiliser dans tous les modes, mais les gars, tu peux les utiliser dans tous les Tu sais, modes mais de ça, tu jeu. vas juste pouvoir les utiliser dans le fond, ils vont juste passer avec des pancartes. N'oublie pas, hein, qu'est-ce qui fait un bon lutteur, c'est son costume. Ouais, bah, toujours m'en souviens. C'était dans le Ah, visage mais que si j'ai je été, voulais. visage photo, là, ou visage déformation, puis là j'ai comme. J'ai pu prendre la photo de quelqu'un, puis. Oh, tu peux en télécharger. Ah, je vais faire un lutteur, faut que la diva moto. C'est ça que je fais là. Je vais faire un lutteur. T'as pas de rôle là, c'est dans le jeu, bien sûr. Faut juste qu'on vise de lui. Ben, il faut qu'on vise de lui. On a zéro. Ben, en tout cas, moi, j'ai zéro à lui. Ils sont même trop longs, on a remporté 50 matchs. On va voir ça dans 10 ans. Je joue pas assez. Ouais, à peu près. Je vais jouer comme des malades, mais là, je mérite pas ça. Oh. Oh boy. Mmh.
Ouais, c'est moi, ouais, mes ennemis, moi, non, bah, tomber quand même. Bon, on va tirer ça, c'est... Malgré toi, on devrait, c'est vrai que... Là, ok, on peut créer un peu, Ouais, attends, crée-toi une superstar. Ouais, non, ça peut être bon. Mais sérieux, là, c'est assez fou quand même les options que t'as. J'ai pas vu toutes les options, là, mais à date, il y en a qui sont assez comiques. Ah, moi, je me mets belle. J'ai un bel beau masque rose. Je vais faire une petite tapette. Il y en a plein de tapettes là. Il y en a tellement de tapettes d'éditeurs. Je sais pas quoi de quoi de nouveau. J'ai 20% d'éditeurs, c'est des tapettes. Ah, pas tapette? Ben non, j'ai un collant tout qui colle la moitié de la gueule. Moi, je vais le faire peur tantôt. Ouais, En plus, tu peux leur faire une petite grosse tête. ah, toi, tu vas nous déformer ça, toi. Il va nous déformer ça, tabarnak. C'est là, c'est pas, c'est pas, je vais faire un esti de gueule. C'est bizarre, esti de Allons, t'es un bon viking. C'est ça, tabarnak. Participer, j'y pense. Tu battes contre un cheval, je vais mettre une tête de Ah ouais, tu peux. cheval. Une tête de cheval. Une tête d'espèce de masque africain. Ah, Jason, t'as un masque de hockey. Ouais, c'est quoi ça, t'as pas mal. Ah ouais, tu vas rire de tout quand tu vas. Tu vas rire quand tu vas. C'est tellement complet là. À date, je trouve ça tellement complet la personnalisation du personnage.
shit. Bah, c'est ça, c'est ça. Je sais Moi, pas, j'imagine j'ai qu'on quasiment pas le dépense goût pas. de le créer parce que c'est abominable. Ah, incroyable ça. Je vois ça comme un style d'abomination. Ben moi j'ai fini, je vais arrêter ça là. Pas d'invité. Oh, Moi je vais être les gens bon, on fait de l'handicap, on fait du tournoi 2 contre 2, fatal. C'est ça. qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, bon, 2 contre 2, toi. Toi, t'aimais bien la couleur vert, il me semble. Ouais. Ouais, ta couleur préférée. Bah, préféré. Je sais pas, j'ai vraiment une couleur préférée. Non, mais tu sais, il me semble que c'est une espèce de. Quand j'étais jeune, peut-être, mais là, c'est toi qui me disais, c'est quoi ta affaire préférée? Bon, je sais pas. Vraiment de préférence. Je peux dire, bon, j'aime mieux un peu tel jeu que tel. Mais je peux dire, ah, c'est mon préféré. Bon. Non, Tonight. Match on the tip.
Es-tu prêt? Non. Parce que moi, je le suis. Dans pas long, je vais être prêt. C'est bon, ça me fait peur, tout ce que j'ai écrit. Je me demande s'il va faire plus peur que le mien, c'est encore drôle. Ça devrait pas être trop long, je pense que la face c'est ce qui prend le plus de temps à faire. T'es un gros fan de la guerre des étoiles, de Dark Vader en particulier. Mais comment ça? Comment ça? Non, parce que j'ai vu qu'il y avait un tatouage, j'étais marqué Vader. C'est bien, monsieur. Où ça, tu vois ça? Mais. Personnalisation du personnage, puis mettre des tatouages, puis un tatouage de Dark Vader. J'ai ça, moi? Ben, t'as ça. Il y a ça dans la création, disons. Ok, en fait, t'étais rentré dans ma game. Mais si tu me disais que j'avais un tatouage. Dark Vader, je me demandais. Non, attends, mets-toi, c'est le front. Ok, en attendant, on va personnaliser ton perso. J'ai quasiment fini. Comment tu dis ça? Va personnaliser ton perso en attendant, je sais pas, ou crée-toi un Ah, arène ou un entrée, je sais pas. c'est fini. Mais c'est... Ouais, j'ai personnalisé. Ah non! C'était une liste, là c'est un obligé de me lever. Ah si, j'étais bien couché. C'était tout de la en cas, yes. Ouais, ouais, j'ai peur que tu vois. Bah oui, j'ai hâte que tu le vois, en même temps. On va faire le saut, tu vois. J'imagine. Ah non, je te dis, c'est pas... pas normal. Mais tu peux-tu en prendre des personnalisés en ligne? J'imagine que ouais. Ouais, j'imagine que tu peux faire des, comme dans Fight Night, là, tu t'arrives, puis bon, tu peux prendre Rocky autant que Balboa. Russe, ou que Apollo, ou ouais, c'est ça. Ouais, j'imagine qu'on pourrait aller voir, mais moi, j'ai pas été pour l'instant.
Moi, j'imagine qu'il y en a qui ont créé des Arnold Schwarzenegger, des acteurs peut-être. Ah, c'est justement Ou ça que s'il y en a j'essaie qui de ont faire. créé des. Ah ouais? Quel acteur t'as essayé de créer? Ben Arnold Schwarzenegger. Et tu sais? Bon, il ressemble pas mal. J'en doute pas. J'en doute pas. Ah, j'ai tué un. Non, ok. Jaune comme neuf utilisé. Ouais, les sauveteurs, c'est un peu plus. Georges Saint-Pierre se sépare de lui aussi. Ah non, je ne l'emmènerai pas à ce soir. On va savoir une fin à sa relation avec lui aussi. Il utilise les armées comme agent libre. C'est quoi ça? Mais au snoop, on est fatigué. Je vais te faire un combo, Quasiment fini. puis. T'es en bas. Et puis, c'est comme que ça, tu fais ça l'année prochaine. Hein? Le personnage, il est-tu pour l'année prochaine Ouais, il est quasiment fini. ou... Ok. Il dit probablement que fin 2017, ça arrive. Tu te souviens-tu dans quel poids que t'es, Fin toi, ton 2020. perso? Quel poids, non? Ben, je l'ai mis un peu gros. Il doit être pas loin de 280. Je dis ça après que tu m'as tué. Il y a 7 ans.
tu peux même choisir la pancarte que tes supporters vont avoir en te supportant. C'est moyen. Tu veux vraiment te faire de la Ben, tu je vas vais sûrement regarder un beaucoup jouer avec peu ce perso-là. Moi non. Ah tu vois, mais ça va être bien méchant, ça va faire mieux, ça fait plus de la page que je Bon, tu vas être content, je pense que j'ai fini. Oh, c'est moi. Tu peux m'inviter. Ben ça me tente plus. Moi, je suis prêt pour le match. Comment? Moi, je suis Est-ce prêt. moi, ça va faire? Je viens de me retourner, j'avais pas vu ton Wolfenstein. Avoue que t'as pensé à Wolfenstein. Non, j'ai pensé à Hulk Hogan puis à Frankenstein. Non. J'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce que Oh ça va boy! donner? Ah, tu l'avais pas vu? Non. Là, je la vois, y a pas Dieu. C'est assez fucky ce que j'ai mis sur la tête. Je savais pas que tu pouvais pas y mettre des yeux. Ou c'est quoi, t'as mis la couleur des yeux, genre couleur de peau? Non, une espèce de masque là, si tu veux, une Ok. cagoule. Le jeu veut pas starter. Ok, ça starte-tu? Faut que tu choisisses les règles du match. Ben, je peux rien faire là. L'autre choisit les règles du match. Veuillez patienter. Steve Cage, je pense qu'on est dans une cage. Faut genre sortir de la cage, je me trompe pas. Ça va-tu?
Ah, on dirait qu'il faut absolument qu'on soit trois. Je peux pas starter la partie. Accéder au match, ça marche pas. Quitte, je vais en créer une. C'est peut-être trop compliqué pour toi. Ouais, non, c'est ça. Trop compliqué. Au pire, j'ai fait match en équipe. Moi, j'avoue, fait match solo. J'aurais pensé qu'on puisse être. Je vais faire privé. Ça a l'air qu'on peut pas être Mobito finalement contre des computes. Ouais, je pense qu'on peut. Je pense que c'est ça. Mais en tout cas, pas dans la game que je suis. Et moi, regarde, je peux rien faire. C'est soit je quitte, soit que je fais prêt, mais après prêt, si tu mets prêt, il n'y a pas rien d'autre à faire. Il n'y a pas d'option, rien à régler. Bon, regarde, je vais t'inviter dans l'autre mode de jeu. Parce que... Attends, je suis en train de t'inviter. Non. Fait qu'oublie le match en équipe, ça c'est ça que j'ai fait. Oublie ça. Xbox Live ou 2D, ouais, 2K Tonight. Zéline Martyr. Tu as reçu un invite? Non. T'as pas reçu un invite? Non, j'ai rien reçu. Ben oui, je suis là. Je te vois même deux fois. Ah, let's go. On passe ça. Vas-y. Attends, je vais mettre des IA. T'as comme deux persos. J'ai mis trois IA, mais il y en a un que je suis pas capable de mettre IA parce que c'est comme si ce serait toi. Ouais, attends, y'a ta peu. Ah. Là, ça Ça marche. marche. Je sais pas ce que t'as fait. T'as genre quitté. J'ai quitté, ouais. T'es encore dans le game. Ouais. Ok, ben moi, je suis prêt pour le match. Faut que tu te mettes prêt, toi et tout. Ok, ouais. Ça peut, ouais. Vas-y, il y a 4 computes. Manque juste toi. Pourquoi je peux juste prendre Blind Fight pis what the fuck? Quoi, t'as créé un personnage Blind Fight? Non, mais t'as peu. J'ai quoi prêt pour Fadango? Je veux pas Fadango, moi. Et ouais. C'est dans Superstar personnalisé. On est même avec la gauche, c'est quand même bizarre. Ok, je peux pas. J'ai pas ça là-bas, mec. C'est choisi automatiquement. Ok, FLT, ouais, ben je choisis par. Ben je rentre sur. Ton je fais B. Hop, là je fais. Je vois le vide, là je fais ça. Et hop, ça te prend un perso au hasard. J'ai pas le temps de choisir rien. The fuck. Quitte, requitte, puis rejoins. Quelle liste de jeux de marché. T'as peut-être été trop vite, puis t'as été dans. Une option qui fait au hasard, je sais pas. Parce que moi, quand j'ai choisi mon perso, j'avais le choix entre. Les ah, personnages de bah, ouais, base, les divas de base, puis les personnages personnalisés. Dans les personnalisés, j'en ai juste un. Je pense que ça a marché au début, au tout début. C'est de l'enfer les jeux de lutte. C'est une cagisse. En plus, c'est quand je fais B, puis je fais. J'ai comme Superstar personnalisé, Superstar, puis Diva. Puis Superstar téléchargé.
Je te vois que t'es dans la game en tout cas. Hein? Je vois que t'es dans la game. Tu vois dans la game? Ok, je te vois là aussi. Bon. Je te vois, mais t'as pas de Fait perso. que. Bon, en attente. Vous avez déjà une invitation en attente? Parce... En mettant, je vais envoyer ici, tiens. Ok, j'ai acheté. Ah, ok, nice, bon. Ok, on est prêt, on passe ça. Accéder au match, let's go. Es-tu prêt? Ouais, toi. Oh oui, ben je suis prêt. Hein. Ça marche pas? En attente de la confirmation des autres joueurs. On est obligé d'être. Sinon, on va faire une game juste Non, pour. attends, attends, c'est à l'heure qu'il y avait toutes les computers, mais là, quand t'as quitté, t'as rejoint, t'as Hein? quitté, t'as rejoint, ça a comme fucké un peu. Ouais, j'aime ça, fait que les choses. Ou on est obligé d'être contre. Ce samedi, j'ai déjà une invitation pour cet emplacement-là, mais l'invitation c'était de toi. Comment? Attends 2 secondes. Si je fais ça. T'es-tu capable de rejoindre l'autre bord, toi? Va du côté gauche, fais B, Donc, puis ouais, va du côté ok. gauche. À gauche complètement, ouais. Ben, un des trois à gauche. Ah, ça c'est qui? Ça ici. Ah. Ok, je suis prêt, ouais. Ça va marcher. Ça a marché. Ça me dit, faites pause pour accéder au match, puis on dirait qu'il se passe rien. Je sais pas si toi t'as de quoi. Ouais, accéder au match. Vous avez déjà envoyé une invitation parce que les joueurs n'ont pas encore rejoint. C'est sûr de vouloir continuer. C'est la chose. Ça me dit, en attendant de la confirmation des autres joueurs. Autre chose à présent, acheter ou non l'IA. Oui. Ah, ok. Bon. D'acheter ou non l'IA. Ah, ok, c'est un peu de la chose. On met des Ah, U. ben voilà. Ouais, aussi simple que ça. D'accord, Y a aucun lutteur qui me dit de quoi. Je connais tout pas. non, non plus, j'ai acheté le pilier, vous voyez. T'as même pas Simon changé ton Gotch. perso, le nom du perso de ton bonhomme. Tout Superstar. non plus. Ah, Moi, ben ouais, non, c'est vrai, t'as oublié. Ouais, aucun c'est shine. Rockenstein. Ouais. C'est par défaut, il est Ouais, c'est Superstar. Superstar. Moi, j'aime ça. Superstar. Superstar, ça me va bien. Ouais, qui est pas mal géant, mon Superstar. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Fait une game, après ça, moi, je claque dans mon lit. And there's the bell. I think what we could see here is a classic chess match between these guys. I mean, one that's going to take power, speed, and That's aggression to win. Ouais, Brock Lesnar is simply dominating this matchup here. Simon Gotch turns it around. You know, even when he Ouh, was la just toupie. starting out in WWE, Ouh, la Brock Lesnar was already a champion. He came straight off an incredible college career where he won the national heavyweight title. And just 2 years after that, he was lifting the WWE championship. Lesnar wasted no time making the leap from amateur freak to professional beast. And so what are your thoughts right now on Brock Lesnar? Here's somebody who's willing to do just about anything to get to the top.
I like it. That's the way it should be. And the clock hits zero. Here comes another superstar. Oh, wow, bon, this changes va. Everything. C'est ça qui fait aucune chaîne, il peut bugger le jeu. Ouais, ça lag pas mal. Et ton esti d'Hulkenstein avec, avec un beau kit. Oh, Michael, Brock Lesnar's got a lot of years left in him yet. Don't think the Beast isn't going to be wearing some more championships around his waist by the time he heads home to Minnesota for good. Oh, how much pain is that arm in now? Je sais même pas comment rentrer sur le. The pain has to be crippling, and I think he's begging him to bring it. Tu rentres droit, je... Ok, c'est LT. Ah, tu... Power Slam takes both competitors to the ground. No kidding, they both landed hard, but they got on the bottom a little harder. If he keeps this up, this one will be over in no time. Ah ouais, tu vas rentrer dans ma jupe. This might be big. Ah, moi, je m'en fous. Superstar has just entered the match. A huge advantage for the newcomer. A huge advantage indeed, considering the guys in the ring have been going at it for quite some time now. When we talk about one of the most exciting, thrilling, and enthusiastic superstars, the shoulders are down. Simon Gotch turns it around. Look out! He's got him hooked! He doesn't want to do this outside the ring. Well, I don't blame him. Key action inside the ring. That's where you're going to win this thing. You can't put a price tag on landing that perfect strike. And that nailed him. Why is he got his opponent? Is he going for him? Kobe Kingston's brand of aerial attacks makes him one of the most famous high flyers in all of sports entertainment. Kobe's athleticism has provided an audience some of the most astounding displays of physical skill ever. Look at him catch him off guard. And he escapes with a kick. Oh my gosh. I thought that was it for Brock Lesnar. The human body can only absorb so much of that. Quick thinking to avoid that. Oh, out of nowhere! That strike hit the spot. There's no way he could have avoided that blow. Deux crises de vie. Ouais, je pense que j'ai fait le plus grand possible, j'imagine que toi avec. Simon Gotch turns it around. Oh, you mentioned Kofi Kingston's surreal physical abilities. An early pin attempt. Come on, ref, count! Today, too fast. Here's another competitor. And look at him, Michael. He looks determined to win this match. Ow! He's simply reminding him that he's here. Oh, I'm not sure I can watch this. Twice as much, and he breaks the three count. Oh, I gotta tell you, I really thought that could have been it. Yeah, what's going on here? Oh, wow. Oh, once you get out of the ring, anything can happen. You've got exposed steel, concrete, the barricades, and all of it can be used to cause massive damage. Well, the trick sometimes when you get outside the ring is survival. The match becomes almost secondary when you get near all these dangerous objects. Ayoye, ayoye. Oh, let's see. Hoping ended early. Here's hoping. He'll be feeling the effects of that for a while. And Kingston has an answer for that one. Oh, my jaw always seems to hit the floor at least once per Kofi Kingston match. This guy's unreal. That can't be enough, can it? I don't think so. He may be in the best physical condition I've ever seen him in. Je sais pas comment t'as fait ça. To remember Brock Lesnar is not a regular man. He's merciless. He's a beast. He's a conqueror with the intent to dismember opponents.
He can raise. There it is, the camel clutch. Oh man, good luck on getting out of that one. Here we go again. Oh, once you get out of the ring, anything can happen. You've got exposed steel, concrete, the barricades, and the shoulders up in time. Well, as long as it's up before that. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, un petit LT, boom. On a des tactiques. Watch it. On a des tactiques. On va être moins éliminé. Oh, out here you have to be able to think on your feet. Looking for the quick pin. I don't think even the referee was ready for that. What's he gonna do here? What's he gonna do here? We're looking at complete domination here with a 180. Kofi Kingston, the reversal. Ah, tu vas peut-être avoir un succès, tu gagnes celle-là. How much more damage can the neck take? Oh, once you get out of the ring, anything can happen. You've got exposed steel, concrete. And this heartless attack continues. Oh man, this is getting tough to watch. When he gets going like this, there are a few better. That wild strike found nothing but empty air that time. Man, that's what you call swinging for the fences and missing. And he's heading back in. I can't blame him. Nothing good is going to happen out here on the floor. Oh no, we know what this is. Oh, what a tumultuous move by Kofi Kingston. He's having a seriously hard time getting back to his feet after that. I assure you, that hurts. Well, the trick sometimes... He goes for the quick pin attack. Help, help! Just hits him. What an offensive show by Brock Lesnar. Covers. I guess he's done with that move. Yeah, but what's he gonna do next? Oh, out here you have to be able to think on your feet lightning fast. One mistake, one moment of hesitation, and you could find yourself in a world of hurt. Good grief! You see six superstars of this caliber competing at the same time. He's going for the pin. Tu regardes le reste du match ou... Kofi's one of the most dynamic athletes in WWE. Athleticism is not bounds. And neither does his vertical leap. Kingston's sonic boom type of offense is so amazing that he's been given the nickname the Wildcat. And we all know Wildcats are fearless. No way. What a move from Sami Zayn. That's how you impress the WWE Universe, folks. Oh, no. Sami Zayn is in deep trouble. I mean, real deep. Brock Lesnar trying to cover early. Oh, man, from the high rim district. I wouldn't know what that's like. And he gets out of the way. Oh, man, what impact from that suplex. How is he still conscious? We get to see a lot of amazing things from where we sit. And believe me, when I say there is nothing like seeing Kofi Kingston's athleticism in the ring, everyone loves it. Well, everyone except Kofi's opponents. And will this be it? It may be. Brock's down. Brock Lesnar down and appears to be in bad shape here. What an all-star ensemble in the ring right now. Six of Duncan. Can he do it here? This may be it. Two. Cody. What a shot. That was the perfect strike. That's what you call getting drilled. The Elimination Chamber is one of those nights of the year where you just know somebody's going to leave, never being the same again. For the WWE superstar that is standing across the ring from Kofi Kingston, the strategy they will need to employ is to keep Kofi on the ground. If Kofi is able to take flight, the match will be over, and it could be over in record time. Boom drop! The boom drop does it! Makes the cut. One, two. Can you believe it? Lesnar's been eliminated. Honestly, I can't believe Lesnar is done here.
each of these competitors is looking for the slightest hint of weakness in the other. Well, that's a strategy you have to always have in the back of your head, Cole. If you ever see a weakness in your opponent, you got to jump on it. The strategy to keep Kofi Kingston out of the air is one that will be difficult to carry out, but essential for opponents. Kofi has the type of offense where even a split second can give him enough time to perform an incredible maneuver that can bring him victory. These guys are giving it absolutely everything they've got. They're not holding anything back, and I love it. And here's a cover. Michael, a WWE superstar must know Kofi Kingston's scouting report by this point. An opponent has to keep Kofi out of the air and away from these high-risk yet high-powered assaults because Kofi lands them almost every time. To keep Kofi out of the air is to keep you in the match. There's no quit in these guys, but unfortunately, only one of them can be victorious here tonight. Not going to win many matches with that move. People have been wanting to see these guys go at it for a long time, and by the sound of this crowd, I think they're getting what they wanted. Since the Elimination Chamber became an annual pay-per-view in 2010, we've seen the demonic steel structure shorten many careers. Oh no, here we go. Sami Zayn sees it. And Sami Zayn gets la toupie mexicaine. The tension, the drama. This is electric. Look at the back of my arm, Cole. Look at the goosebumps of this. I can't believe everything that's transpired thus far. It's been so physical. You're right about that, Cole. This has been an all-out war. Vous êtes un coup de balle. Oh oui, il y a une mouchette. Oh mon dieu. On me dit que t'as mal. The force of that splash was breathtaking, especially if you're the one being landed on. Eh, deux trucs qui me prennent, c'est pas mal. Ouais, oui. Great job by the official here tonight. I don't know how he's managed to keep so many larger-than-life competitors in check here. And Kingston has an answer for that one. You know, my jaw always seems to hit the floor at least once per Kofi Kingston match. This guy's unreal. Just look at this man. He's all business. And that's the way he has to be if he wants to win here tonight. Depuis tantôt, j'ai l'impression que c'est le noir qui va gagner, mais j'ai l'impression que ça va pas être le noir. Il y a moins d'argent. I can't believe everything that's transpired this far. It's been so physical. You're right about that, Cole. Dans le fond, ça va durer une heure de même. Ah, merde, cœur. Il est 52. C'est un heure du matin, je peux finir. How much damage did that do? A lot, from the looks of it. Sami Zayn digging down again. Look at this. He's just barely moving. I'm not sure he can get back to his feet. Wow, that overhand punch started down behind his feet and just kept coming. Man,
That came out of left field. Ben, toi qui voulais voir un match de lutte à soir, c'est servi. That did some serious damage. You can't take too many of those and expect to be in the match much longer. Boy, he is really tired now. That tank of his has to be reading empty. It has to be, King. But I still don't see him giving up. How much more? How much more are you willing to pay to win this match? This is unreal. Heads up. To take a chance like that. Warm up the buses. This one's over. Oh, you're alive. Here's the cover. There's your winner, ladies and gentlemen. On tire le succès de la barre, on croit que c'est une barre. Pas de succès. Merci. On est fait rejouer. Rejouer? Mais c'est du fou. Ah bon, tu veux que t'as interface. Puis sur ce, je te dis. Ouais, bon, on va me coucher. Puis demain, ben, demain. Il faut tantôt plus tard, peut-être qu'on. Dead Rising, peut-être on continue un peu. Ouais, ou un autre jeu, ou on retourne sur WWE à 2K16. Oh. À WWE, non, j'ai bon. Mon quota pour un bot, mais quoi, c'est encore d'autres. Peut-être demain, je vais vouloir jouer. Bah, moi, je m'en joue au 2017. Ouais, j'espère que tu l'as acheté 120$. Ouais, exact. Non, non, c'est sûr que, regarde, 2016, je rejoue minimum une coupe de mois. Fait que ouais, je vais aller bouffer. Fait que je vais faire ça, ben... C'est good show.